T'es prêt? Une seconde! Bon, allez, on va voir. Monsieur Camus, oui. Comment allez-vous? Merci. Est-ce que je peux vous parler une petite seconde, s'il vous plaît? Oui? Oui, petite minute, là. Ouais! Go! C'est parti. Voilà. Alors, je vous rapporte vos affaires, là. C'est de la part de ma femme. Ah. Comme je suis rentré plus tôt que prévu à la maison, ça nous embarrasse, n'est-ce pas? Alors là, monsieur Camus, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne voudrais surtout pas que vous vous imaginiez que votre femme m'a hébergé autrement qu'en tout bien tout honneur. Oh non, bien sûr. Non, bien alors, comme il n'y a qu'un seul lit à la maison, vous avez dû coucher par terre sur la moquette, forcément. Oui. D'ailleurs, elle est très dure, mais enfin, ça m'a quand même dépanné. Je vous remercie beaucoup, même Camus. Voilà. Alors, pour les leçons, je ne vous règle rien. Hein. Je pense qu'elle n'a pas dû faire beaucoup de ski pendant mon absence. Même pas la moitié? Non. Non, parce que comme elle avait un petit peu skié quand même. Puis, oui, mais non. Non, monsieur, je comptais dessus aussi. Voilà. Mais enfin, bon, alors c'est pour moi. Voilà. Alors je m'en vais. Là, oui. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Non, hein? Ça n'est pas la peine du tout. Voilà, alors serviteur. Voilà. Au revoir, monsieur Camus. Alors! Combien? Oh! Hein? Combien? Merde, j'ai oublié d'arrêter le chrono. 45. 8. 8. 45-8. 45-8. Ouais. La vache! 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier! Et j'ai pas forcé un chalet pépère. Ça, c'est mes skis. Ils ont fait deuxième à Grand Montana, ces skis-là. Oh, j'ai les pilés de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars! Wouh!